d'être venu par cette belle après-midi ensoleillée pour écouter cette table ronde qui réunit donc, enfin la table n'est pas d'ailleurs ronde précisément, alors disons cette table alignée qui réunit donc deux auteurs, Mabrouk Rachedi à ma droite, Mabrouk avec un C, le C est important. Le C est très important et primordial. Vous le rappelez même dans votre livre d'ailleurs, votre livre « Tous les mots qu'on ne s'est pas dit » chez Grasset. Donc un très beau livre qui est un récit de naissance, de naissance au pluriel même si j'ose dire, puisqu'il s'agit à la fois du récit de la naissance d'un écrivain qui prendra pour nom de plume Mabrouk Rachedi, donc chacun tirera les conclusions qui s'en imposent. Il s'agit aussi donc du récit d'un fils, le fils d'une famille d'Algériens émigrés en France dans les années 60. Et il va s'agir aussi du récit de la façon dont on transmet cet héritage, dont on le désocculte, si j'ose dire, dont on le sort de son enfouissement. Alors pardon, j'en bégaye. Mais donc ça pour vous dire que ma petite présentation rapide là ne fait pas du tout justice au livre, puisque ce livre est d'abord et aussi un livre en mouvement. C'est un livre qui suit la croisière d'une péniche le long de certains hauts lieux parisiens, et cette balade fluviale, cette balade parisienne ne suit pas seulement le cours de la scène, il suit aussi le cours de la mémoire, puisque c'est aussi l'occasion pour le narrateur, qui prendra pour mon plume Mabrouk Rachedi, vous l'aurez compris, c'est aussi l'occasion pour le narrateur de rappeler certains événements, des événements politiques, des événements politiques noirs, la colonisation, les violences policières de 1961, mais aussi des événements familiaux. C'est l'occasion aussi de s'interroger sur sa famille, et c'est l'occasion petit à petit de faire advenir une parole qui jusque-là a été recouverte, c'est-à-dire la parole de la mère. Voilà, donc dit très rapidement. Et à sa droite, donc Omer Youssef Souleymane, alors pour votre livre Une chambre en exil, chez Flammarion. Alors il s'agit là encore d'un livre qui, comme son nom l'indique, est un livre sur l'espace, un livre sur ces espaces paradoxaux que sont les espaces de l'exil. Comment se faire de cet espace en exil une chambre à soi, pour paraphraser Virginia Woolf. Comment renaître aussi, puisque je crois que c'est votre deuxième chapitre a pour titre naissance. Comment renaître, comment naître dans un pays, dans une langue qui n'est pas au départ la sienne. Et comment également enfin se placer dans ce pays, quelle place y trouver, comment se construire une demeure, une chambre à soi là encore. Est-ce que cette construction ne passe pas aussi et d'abord par la langue, par la poésie? Et également, enfin, comment s'insérer dans cette société et comment porter un regard qui parfois est un petit peu le regard relativiste, le regard intelligent et aigu, faussement naïf, d'un persan qui se trouverait à Paris et qui mettrait à nu les différents impensés, les différentes contradictions de la France. Donc voilà, dit très rapidement. Donc j'ai parlé de temps, d'espace, donc c'est aussi l'occasion de rendre un peu hommage à un grand mort, mort il y a juste 100 ans cette année, puisque dans ces deux livres, le temps prend la forme de l'espace, comme disait Proust, qu'il est à chaque fois question de mémoire, mais aussi de la possibilité ou non de recommencer. Et recommencer, ça ne veut pas dire, ce n'est pas la table rase, ce serait plutôt de l'ordre, plus que la Renaissance, de l'ordre de la métempsychose. Il y a eu des vies antérieures. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, disait Baudelaire, et il ne s'agit peut-être pas de 1000 ans, mais à chaque fois, les souvenirs, le passé de la famille chez vous, Mabrouk Rachedi, ou bien les souvenirs de la Syrie, les souvenirs de la guerre, les souvenirs de l'oppression mentale, psychique, religieuse et politique, sont toujours présents en filigrane à Paris. Donc voilà, et pour ces deux romans, j'aimerais commencer par une première question que m'a suggéré un passage de votre livre, Omer Youssef Souleymane, 14, si vous voulez tout savoir. Donc c'est ma ville, il parle de Paris, c'est ma ville maintenant, il faut l'accepter telle qu'elle est. Ici comme ailleurs, je suis chez moi, car je n'ai plus de chez moi. Étranger partout, où que j'aille, je trimballe ma mémoire, je renais et la vie recommence.
et ça m'a beaucoup fait penser à quelques mots de Baudelaire où il décrit l'homme dans la foule, être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi, voir le monde comme un autre monde et rester caché au monde. L'observateur est un prince qui jouit partout de son incognito. Et un peu plus loin, d'ailleurs, vous écrivez à Marcus L. Suleiman, je marche comme un prince. Bon, avant de trébucher, ça. Et alors, la question que je me posais, c'était dans quelle mesure le fait d'être ainsi, d'être dans cet état, d'être dans cette condition qui est la condition paradoxale de l'exilé, c'est-à-dire d'être quelque part, mais en même temps d'être toujours attaché à un ailleurs, ou alors comme dans le passage que je viens de lire, de n'être finalement vraiment nulle part, comment cette position-là développe et affine l'acuité du regard? Est-ce que c'est la condition nécessaire pour porter un regard perçant? Je pense que parce que c'est un sort de paradoxe d'être libre en dehors de son propre territoire, car on est obligé de partir. Ce n'est pas pareil quand on quitte son pays pour aller à l'étranger et vivre, disons, ailleurs. C'est pas le même cas quand on est obligé de fuir une guerre pour sauver sa peau. Et c'était mon cas en France, c'est-à-dire aujourd'hui, au début, on n'arrive pas à s'adapter à la vie normale, à la normalité de la vie, ni à une nouvelle ville. J'avais besoin des années et des années pour sentir que ça c'est ma rue, ça c'est ma maison, ça c'est mon café, ça sont mes amis. C'est-à-dire, une fois qu'on est réfugié, on est obligé de refaire sa vie de zéro, comme des bébés. J'avais besoin d'environ 4 ans pour juste d'abord pratiquer la langue française, obtenir des papiers, avoir des amis, avoir, disons, une nouvelle racine. Bien que j'aime pas trop les racines, parce qu'on préfère les oiseaux, mais néanmoins, on a besoin de s'identifier à quelque chose. Alors, personnellement, je me suis identifié à la langue française, à la culture française, et à partir de ce moment-là, à l'écriture, bien sûr, j'ai commencé de découvrir ce pays. Tandis qu'à l'exil, une fois qu'on est exilé, on est exilé à vie. Même quand on rentre sur son propre territoire, on se sent toujours exilé parce qu'il y a la distance. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai quitté la Syrie, toute ma famille sont là-bas, j'ai vu personne d'autre depuis. Et j'imagine l'idée de retour me fait un peu. Elle est un peu flippante. Parce que les gens ont beaucoup changé en Syrie. La Syrie que je connaissais en 2012, quand je suis parti, n'existe plus. C'est-à-dire, même géographiquement, n'existe plus. Et moi, je n'existe plus comme avant. Là, c'est une autre personne, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, un citoyen, qui vient, il trouve sa place dans une nouvelle société, mais il a toujours une mémoire étrangère qui ne se parle pas, qui ne parle pas. Dans ce contexte, on se sent toujours qu'on est partout et on est nulle part. Et ça crée un sort de moi, je ne le trouve pas comme... j'ai pas un regard, disons, triste vis-à-vis de cette situation, au contraire, c'est une richesse, c'est une... ça crée aussi un sort de tolérance, d'accepter les autres, et s'intégrer aussi partout, disons, s'intégrer même entre les mots, et entre les langues, car on dit entre deux langues, entre deux cultures, entre deux civilisations. Et là, voilà, c'est ça l'idée de, disons, de livre, et même l'idée de titre, une chambre en exil, parce qu'on est il peut passer sa vie à trouver un pays, à trouver une chambre, et ça, c'est introuvable, on ne peut pas le trouver, mais c'est juste un sort de fiction. On a besoin de construire un sort de berceau pour trouver la rassurance, pour trouver la protection, pour s'identifier, et chacun trouve son propre chemin. Donc le titre est paradoxal entre la chambre et l'exil, et cette situation aussi, c'est qu'il faut, ça c'est ma ville aujourd'hui, donc il faut l'accepter, néanmoins. Car on est obligé de vivre à l'étranger, on ne peut plus rentrer chez soi, entre deux guillemets. Il faut accepter tout ce qui nous entoure, et petit à petit, on trouve toujours dans sa place, en gardant un sort d'espoir pour l'avenir. Alors, avant de passer à Mabrouk Rachedi, peut-être une dernière question pour prolonger un peu ce que vous venez de dire. Être ainsi toujours un peu étranger dans cette ville, vous disiez que c'était également, que vous
craignez pas qu'il s'agissait aussi d'une richesse. Et j'en reviens un peu à ce que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que cette richesse ne tient pas justement à ce regard aiguisé, affûté que vous portez? Le livre s'ouvre, enfin, très rapidement, à part une scène de, oui, une fois plus, une scène de voyeurisme, mais qui met vraiment l'accent sur l'œil, sur la pénétration du regard. Un peu plus loin, il y a une discussion avec des Français, ça on y reviendra, autour de la démocratie. Et c'est vous, donc, c'est-à-dire le narrateur, qui mettez en relief les contradictions de ces jeunes Français qui discutent et qui évoquent leur désabusement. Donc je me demandais si cette position-là que vous venez de décrire, ce n'est pas aussi une position, alors rêvée avec tous les guillemets que vous voudrez, pour l'écrivain, puisqu'elle lui donnerait cette distance qui permet un regard approfondi. Justement, si par exemple on va à Damas maintenant, Damien, toi et moi, moi je connais Damas par cœur, parce que j'étais éduqué là-bas, mais peut-être, est-ce que tu es déjà allé à Damas ? Jamais. Enfin, ça peut arriver. Donc on va à Damas, tu vas découvrir des choses, des scènes, des détails de cette ville, des mentalités, des traditions que moi je remarque pas, parce que je suis habitué. Et c'est pareil pour un étranger qui vient en France. C'était mon cas à Bobigny. C'est la raison principale pour laquelle je voulais écrire ce roman. C'est que quand on tombe dans une nouvelle ville, et surtout qu'on a passé la majorité de sa vie à l'étranger, on vit pendant des années dans la comparaison. Et la comparaison est très très riche, tu vois. Et pour écrire et pour avoir l'inspiration. Et donc, je comparais toujours la situation de Bobigny, à côté de Paris, et d'où je suis venu. J'étais éduqué dans une famille tellement fanatique, religieuse. Quand j'étais ado, mon père rêvait de faire des attentats comme Osama Bin Laden. Moi aussi, d'ailleurs, parce qu'on a vécu en Arabie Saoudite. Bon, c'est une autre histoire. Et dans cette atmosphère d'enfer, disons, en Syrie, tout ce que je voulais qu'en arrivant à Bobigny, c'est d'oublier cette violence, d'oublier de la guerre, oublier les tabous, oublier l'interdit et commencer une nouvelle vie, trouver un travail comme enseignant de la langue arabe et peut-être trouver l'amour de sa vie. Sauf qu'une fois que j'ai déménagé, je suis tombé sur un côté de cette ville qui m'a fait penser tout le temps à ce que j'ai fui. C'est-à-dire trouver une fille de 9 ans qui est voilée dans l'armée, même en Syrie, dans les villages les plus fanatiques. C'est très rare de trouver ça. Tu vois. Il y a cet imam aussi. Il y a l'imam, bien sûr. Donc il y a pas mal de scènes qui nous font penser à ce qu'on a fui. Et en conséquence, on peut remarquer des choses imprévues pour quelqu'un qui est né dans cette ville, parce qu'il est habitué. Nous, on n'est pas habitué, on est tout le temps surpris. Il y a l'étonnement de la part d'un étranger. Et c'est pour ça que je trouve parfois un exilé pour être très très vivant. Parce que tout ça, c'est nouveau pour lui, tu vois. Donc, je trouve que c'est très inspirant quand même. Alors effectivement, ça peut être une source d'inspiration. En tout cas, c'est très net dans ton écriture. Juste pour le souligner rapidement, il y a parfois des images, lorsque tu décris Paris, notamment au début, qui sont en filigrane des rappels de la guerre. Donc on voit ce dédoublement, ce filigrane dont tu parlais tout à l'heure. Alors, tu as souligné une question vraiment passionnante, qui est celle du dédoublement, enfin, de cette... Alors, je vais employer le terme double identité, mais c'est là-dessus justement que j'aimerais vous interroger, Mabrouk Rachedi, puisque c'est parmi les multiples fils que trace votre livre, c'est un des fils conducteurs avec certains personnages, et en particulier je pense à un des frères du narrateur, Sofiane. Alors Sofiane, écrivez-vous à un moment, s'est fait appeler Stéphane le Sage, et à son propos, le narrateur note la double culture qui n'est qu'une double hypocrisie. Et j'ai eu le sentiment, en lisant votre livre, qu'il était très difficile de naviguer entre ce qui pouvait être deux écueils qui formaient un dilemme. D'un côté, une double culture qui serait finalement une culture hypocrite, purement superficielle, et d'autre part, quelque chose qui serait alors là encore avec tous les guillemets que vous voudrez, une intégration qui serait en fait un effacement complet des racines, de l'origine. Oui, alors moi j'ai fait ce choix en fait de mettre plusieurs parcours, en fait plusieurs, une grande fratrie, une famille nombreuse. Moi-même je suis issu d'une famille nombreuse, et ce qui me permet de montrer effectivement plusieurs personnages qui ont plusieurs rapports à leur identité, en particulier leur identité nationale comme on dit aujourd'hui. Et alors je n'essaie pas en fait de
de faire quelque chose d'exhaustif où je n'essaie pas de montrer une voie idéale, mais des gens, en fait, des personnes, des individus qui essayent d'exister en fonction d'un point de départ donné, qui essayent, comme nous tous, en fait, hein, on essaye tous de composer avec, avec la vie. Mais voilà, c'est clair que tu as cité Sofiane, oui, lui, et non, parce que moi je connais aussi hein, des gens qui ont eu changé de prénom. Pour lui, c'est une double hypocrisie, mais pour certains, c'est vraiment un choix. Moi, je n'essaie pas d'être normatif hein, quand je décris des personnages en disant c'est mal de changer de nom ou c'est bien de. Mon personnage, lui, fait ce choix de façon un peu hypocrite hein, et il le vit mal à la fin finalement, mais ce n'est pas quelque chose que j'essaye de poser en tant que repoussoir en disant voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On en est tous à faire nos choix, on est tous à essayer de tâtonner dans la vie, et voilà. Moi, en tant que romancier, finalement, je peux décrire un parcours, je peux même voilà, tout imaginer, mais dans la vie, c'est je suis très très peu, je juge très peu en fait les gens et leur façon de faire, de se comporter, parce que il y a on essaie tous de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Et moi, voilà, par rapport à ce que disait Omar, il y a une phrase hein, très connue de Katel Yacine qui dit voilà, que le français est le butin de guerre. Moi, je suis vraiment un héritier de gens qui ont vécu l'exil. Je ne suis pas un exilé du moi-même, je suis un enfant de l'exil. Et je n'ai pas le regard de l'exilé. Je suis français, je suis né en France. Voilà. Même si voilà, c'est plus compliqué que ça, mais peu importe. Hein. Et donc c'est là que c'est triste en fait et aussi exaltant de se dire que on en est triste de voir dans les débats politiques aujourd'hui des gens qui sont à remettre en question la capacité d'avoir des identités multiples. Et moi je ne lis même pas ça à la double identité hein, parce que les identités sont multiples et ne signifient pas un rapport à un pays ou à une origine et donc voilà, très triste de voir que c'est Aline Malouf dans Les Identités Meurtrières qui disait qu'on peut être 100% français, 100% algérien, et je suis aussi 100% fan de Roger Federer, etc., etc. Voilà, et je ne suis pas qu'un morceau de d'étoffe, un drapeau avec des couleurs. Voilà, j'espère être un peu plus complexe que ça. Mais en même temps, voilà, ce qui est aussi intéressant, et c'est une vraie richesse de vivre avec ces 100% qui s'additionnent et qui font toujours 100%, hein, qui ne font pas de moins un surhomme. C'est pour ça que je suis pas aussi dans l'exaltation, la forme de oui. On est une forme d'humanité, de dépassement, de surhumanité. Non, voilà. Et si la question devient alors personnelle et intime, parce que on parle de personnages, donc des personnages, ils vivent leur rapport à l'identité que j'ai décrit voilà, différemment, très très différemment. Certains qui voilà, alors, le vivent plutôt pas très très bien parce qu'ils doivent faire face à des échecs personnels, etc., ou à un rapport à la famille qui est très difficile. Mais moi, et c'est là où je me sens très privilégié, c'est qu'aujourd'hui je le vis très bien en fait, et je vis très bien le fait d'être français, je vis très bien mon origine algérienne, et j'ai l'impression, enfin on est toujours prisonnier de l'impression, mais j'ai l'impression d'être en paix en fait. J'ai même du mal à formaliser ce qui pourrait être une lutte intérieure en moi parce que je ne la vis pas. Quoi. Alors, on reparlera de Federer et Djokovic entre nous tout à l'heure. Federer est bien meilleur. J'aime bien Djoko. Bon, ceux qui s'intéressent, nous poursuivrons le débat là-dessus. Ça risque de mal se finir. Hein. Ça va y avoir une bagarre, probablement. Hein. Ah, des identités mixtes, bravo. Mais reprenons beaucoup plus sérieusement. Alors, tout le livre, alors je reprends un peu ce que tu disais, le fait d'être en paix, cette paix, elle s'acquiert, elle se conquiert même. Parce que tout le livre présente des personnages qui, justement, se débattent avec cette multiplicité des identités. Je vais prendre simplement, alors on a parlé de Sofiane tout à l'heure, parlons par exemple d'Étienne. Étienne, c'est le fils de Gérard
Gérard. Alors pour dire rapidement qui était Gérard, Gérard était, puisqu'il est mort dans le livre, un militant communiste, militant de gauche, bref, un de ces vieux grognards de la gauche communiste, marxiste. Son fils Étienne, qui était le meilleur ami d'un de ses frères, de Kader, de Sofiane lui-même. Étienne, qui était son meilleur ami, les deux ont fait les 400 coups ensemble, et bien le voilà qui roule pour le SN. Et également, le personnage principal, Malik, donc Mabrouk Rachedi, se débat un moment, et pas seulement, j'allais dire, parmi les identités familiales ou nationales, mais parmi même les identités professionnelles, puisque devenir écrivain, c'est prendre l'ascenseur social inversé, lui qui connaissait une belle carrière dans la finance. Donc, j'en reviens à cette notion de paix d'esprit que vous évoquiez. Il faut la conquérir, elle ne se gagne pas, et peut-être qu'elle n'est que précaire. Oui, et tu fais bien de le dire, en fait. Hein, c'est pas d'état permanent, en fait. C'est une lutte constante, et l'identité, c'est quelque chose d'évolutif. C'est dynamique, c'est pas statique. Et là encore, hein, c'est l'un des pièges des débats politiques auxquels on assiste aujourd'hui, c'est de figer les choses, de dire, voilà, on est ainsi. À du tam aeternam, et c'est comme ça, et voilà, on est des petits caporaux de notre nationalité. Non, enfin, j'espère qu'on est un peu plus humain que ça, finalement. Alors déjà, j'ai omis de dire, hein, vraiment ta présentation au tout départ, j'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai beaucoup aimé comment tu parlais des deux livres. Ça, c'est pour gagner dans le débat fédéraire de Djokovic. Bah, ouais, tu m'as démasqué. Mais non, voilà, c'est vrai, j'insiste vraiment, et tu fais bien de le dire, hein, rien n'est permanent, et même pour les personnages, rien n'est dénoué. Quoi. Ils se retrouvent, alors je ne vais pas trop dire de la fin, hein, autour d'un événement qui marque la France, etc. Et c'est clair qu'il y a un esprit à la toute fin, la famille, mais juste avant aussi la France, hein, et donc dans l'esprit de concorde, mais rien n'est jamais résolu, et rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui, quand je dis que je suis bien dans mes identités, pas dire que je suis bien aussi dans toutes les positions politiques dans deux pays, d'ailleurs, parce que l'Algérie, en termes de régime politique, on peut y aller dans la critique. Mais alors, pour le coup, je me sens très très isolé et très très peu légitime à juger le régime politique algérien, outre que comme un Français, parce que voilà, je suis immergé vraiment dans la France et pas trop dans l'Algérie, même si je vois ce que c'est l'Algérie, hein, quand même. Mais voilà, et donc c'est pour ça que c'est là aussi l'urgence. Écrire sur la question de l'identité, de la mémoire, c'est quelque chose qui me travaille depuis très très longtemps, mais l'urgence m'est venue vraiment en 2015, après les attentats, les divers attentats qui ont frappé la France et qui sont vraiment quelque chose de tragique, et que voilà, que j'ai vécu très durement en tant que tel, mais aussi il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai vu que chez certains il y avait un nous et un vous qui se créait, et j'étais parmi le vous, et vous qui, donc, il n'était pas un nous dans l'identité française, et on me demandait même de participer à des pétitions pour, en tant que musulman en France, etc., des choses comme ça. Et là, je me suis dit, c'est drôle, quoi, parce qu'il y a ce vous qui apparaît tout d'un coup, et même de gens que j'estime, en fait. C'est pas tellement que aussi dans l'espace public, hein, des gens qui créent une forme de barrière. Je me dis, voilà, il suffit de ça, des gens avec lesquels je n'ai absolument rien à voir, rien à voir, qui défendent des idées, mais totalement atroces. Et voilà, il suffit de ça aux yeux de certains, évidemment pas de tous, je ne généralise pas, pour remettre en question, mettre une barrière, en fait. Et donc, pour ça que rien n'est jamais gagné, hein, par rapport à l'identité. Alors moi, je me sens en paix avec moi-même, mais dans le regard des autres, finalement, on peut aussi changer au gré des événements, et on peut demander à ce qu'on se positionne sur des événements avec lesquels on n'a rien à faire. Mais on a aussi à dire, hein, je lui
dirais autant de fois qu'on posera la question, évidemment je condamne et évidemment je hais ce qui s'est fait, et évidemment voilà, c'est quelque chose qui est d'une évidence absolue, quoi. Alors justement, vous avez très très bien, très bien décrit cette absence de porosité, cette absence d'étanchéité entre le nous et le vous, cette espèce de manichéisme primaire qui récuse toute unité au profit d'une dualité d'opposition. Et ce qui me frappe beaucoup dans ton livre, Marie-Youssef Souleyman, c'est la façon dont, alors évidemment ces questions-là s'y retrouvent, mais elles s'y retrouvent aussi, elles se résolvent pour le coup sur le plan poétique, car il y a deux grands pôles poétiques qui se confondent dans ton livre. Il y a d'une part ce qui a été donc ta grande découverte poétique française dès la Syrie. Une fois, je suis tombé par hasard sur un recueil de Paul Éluard dans la librairie de la ville. Il était placé parmi les livres d'occasion sur un rayonnage peu visible. J'ai lu plusieurs fois et je suis tombé amoureux de ses images, de sa sensualité, de sa langue simple et profonde. Et à travers le pouvoir des mots, j'ai refait ma vie. Quand mon père l'a vu, il m'a prévenu de ne pas suivre cet homme. C'est un infidèle. Il ne fait pas partie de notre monde islamiste. Et à côté d'Éluard, qui est donc un des phares, un des horizons du livre, un des horizons poétiques du livre, il y a une autre poésie. Tu parles de la poésie soufie, il y a un très beau poème qui est cité à un moment sur l'universalité de l'amour. Et tu parles de Hallaj. De Hallaj. Voilà. Et également, tu parles aussi d'un poète du 6e siècle, Tarafa ibn al-Abd. Pardon pour mon absence d'accent, et donc tu dis que, et c'est pour ça que j'ai cité un peu longuement ce passage sur Éluard, tu dis qu'il était existentialiste avant l'heure, adorant l'alcool, les voyages et vivant dans l'instant. On retrouve là cette sensualité, cette espèce d'assomption d'une liberté poétique absolue. Donc aussi la question que je voudrais te poser, c'est une question un petit peu naïve, mais qui peut engager beaucoup de choses, c'est est-ce que tout compte fait dans cette espèce de clash, puisque le terme était à la mode, de clash des identités que tu décrivais, Mabrouk Rachedi, est-ce que la résolution n'est pas dans la poésie, dans l'écriture, dans le fait de se rendre compte que par-delà le temps, entre le 6e siècle et le 20e siècle, par-delà les espaces culturels, espaces islamiques, pensées soufies, et puis la culture que pouvait avoir Éluard, le surréalisme, est-ce que malgré tout ça, il n'y a pas cette langue commune qui serait de la poésie, de la relation poétique? Tout à fait, et l'imagination et les rêves, surtout. Parce que justement, le narrateur, il pense à comment il était intégré ou comment il a découvert la poésie à travers un rêve, quand il a rêvé à la voisine, parce qu'elle avait un coup de foudre avec sa voisine, avec Violette. Et en la suivant, il trouve qu'elle fréquente une salle dirigée par un imam radical de la ville. Et d'ailleurs, ce qui m'est arrivé, parce que j'ai fréquenté pas mal d'imams quand j'habitais dans la banlieue parisienne, ils m'ont parlé comme un migrant, le syrien, ils m'ont parlé en arabe, et ils m'ont balancé un autre discours qui n'a rien à voir avec ce qu'ils disaient au public. Et là, c'était une des choses qui m'ont... C'était tellement choquant pour moi à Wobigny. En fait, le blanc de ce type d'imam-là, je te dis pourquoi je parle de l'imam par rapport à la poésie. Parce qu'en fait, ça m'a fait voir exactement comme Mabrouk a dit, vis-à-vis entre vous et nous. Entre vous et nous. Et donc, entre vous et nous. On s'est divisé. En fait, parce qu'il voulait regrouper ces musulmans autour d'une identité qui s'appelle l'islam, ou l'islam politique, en les faisant peur de leur propre pays qui s'appelle la France. Tandis qu'on a environ 6 millions de musulmans en France, ou de personnes d'origine musulmane. Moi, je suis considéré comme musulman, bien que je n'ai rien à voir avec l'islam, je suis apostat depuis quand j'avais 18 ans. Même en Syrie, je n'étais pas traité comme musulman, mais ici, je suis obligé d'être musulman. C'est-à-dire, on met des gens dans un cadre, et de la part de l'extrême droite, et de la part de certains imams radicaux de la banlieue. Et donc, ils veulent créer cette nouvelle identité pour avoir des avantages politiques à l'avenir, en faisant un sort de cocktail mélangé entre certains versets coraniques, certaines histoires, et là, ce que l'on appelle le soft power des islamistes.
Et ça, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus dangereux, disons, des attentats. Parce que les attentats, on les reconnaît, on voit ce que c'est, ils sont très clairs, ils veulent faire, ils veulent tuer. Les autres, non, ils ont un plan à préparer pour des dizaines d'années à l'avenir. Appliquer la loi du charia en disant qu'à ces musulmans, rien ne va vous protéger. Ce qu'ils vous disaient d'ailleurs, ne pense pas que tu es en sécurité en France, parce que ce qui s'était passé dans les années 60, quand ils ont jeté les Arabes dans la Seine, ça pourrait être revenir ou répéter. Donc rien ne te protège en France, ta seule identité, c'est ta racine, c'est l'islam. Alors le plan actuel de ces imams, c'est d'avoir aussi des avantages politiques en faisant un sort de complicité avec certains politiciens et de la mairie et de département. Je vous dis cas vraiment horrible parce que ces politiciens savent très bien que ces imams ou cette communauté musulmane va voter. En conséquence, ils dealent avec les imams et les donnent des terres pour faire des locaux, des mosquées ou des salles pour leurs conférences. Et en échange, l'autre, ils vont voter. Alors qu'est-ce qu'il lui dit les musulmans en France? C'est ça la grande question. Entre pour, disons, effacer cette... désolé pour le monde, je trouve pas une autre, cette connerie qui s'appelle vous et nous. Bah, rien de tout. Les musulmans en France, ils sont des cultures et des langues et des origines ou des civilisations et des racines tellement différentes. Deux musulmans en France, entre un musulman qui ne quitte pas la mosquée et l'autre qui ne quitte pas le bar, et un troisième qui s'est marié à la mairie, et un quatrième qui est polygame, qu'est-ce qu'ils lui disent? C'est rien de tout. Ouais. Donc ces imams, ils insistent à l'identifier tout ce temps. Alors pourquoi je parlais de la poésie? Parce que c'était la solution à travers laquelle j'étais sauvé quand j'étais petit. Ce qui est aussi paradoxal, c'était à travers mon père, qui encore une fois était très très radical, mais dans notre famille, apprendre ou citer l'ancienne poésie arabe, ça fait partie de l'identité, parce que la langue arabe est considérée comme une langue sacrée, qui fait un lien très fort avec l'éducation religieuse. Donc mon père m'a proposé ce défi au début des vacances, j'avais 8 ans. Il m'a dit, si tu arrives à citer le poème de Taraf ibn al-Abd, c'est un poète très ancien avant l'islam qui a écrit 104 phrases rythmées avec une langue très très difficile et ancienne. On ne l'utilise plus comme les langues latines, quoi. Il m'a dit, si tu arrives à citer ce poème, je te donne 100 000 livres. 100 000 livres à l'époque, c'était les années 90, ça veut dire 2000 dollars. Et c'était une fortune pour le gamin que j'étais. Et donc j'ai passé les semaines suivantes en répétant les poèmes dans la cour de la maison des grands-parents. Et finalement, je lui ai fait une surprise, j'ai cité le poème lors de dîner. Et là, il était très content, il n'a pas arrêté de me prendre des photos. Et il m'a dit, bravo, maintenant, tu pratiques vraiment la langue arabe. Et tu veux que je te file l'argent maintenant? Je lui ai dit non, parce que je ne savais pas quoi faire avec ce somme d'argent. Alors les années passent, les années courtes comme on dit, et par hasard je tombe sur le recueil de Paul Éluard. Paul Éluard m'a sauvé parce que tout simplement j'ai découvert une autre voie qui n'avait rien à voir avec ce qu'on était éduqué à l'école, surtout quand on était en Arabie Saoudite. Il m'a aidé à remplacer la parole de poète par celle, la parole de prophète par celle de poète. Les tabous, la haine, le refus des autres par la tolérance de la poésie. Parce que la poésie a aussi une identité, une identité magique. Tu vois. Et c'est ça ce qui m'a sauvé autrement. Et c'est ça aussi ce qui m'a poussé plus tard, une fois que j'ai fini le bac scientifique, à étudier la littérature arabe et à quitter la maison des parents et à avoir une sorte de rupture avec toutes ces idées en disant qu'un poème des Loirs pour moi coûte beaucoup plus important de toute la parole de Mahomet. Bien sûr, et dire ça, je veux dire, on serait menacé. Mon père m'a abandonné et la majorité de ma famille d'ailleurs. Et c'est-à-dire, c'était aussi paradoxal, l'écriture était la raison, ou la poésie, c'était la raison pour laquelle j'ai vécu ce premier exil, parce que partir aussi d'un secours à l'âge de 18 ans, abandonné par sa famille, c'était aussi un exil, mais aussi la raison pour laquelle j'ai trouvé un pays. C'est ça aussi le paradoxe entre les deux. Et bien sûr, mon père ne m'a pas filé les 2000 dollars finalement, mais on s'en fiche. En tout cas, il faut une identité.
Alors bon, bah voilà, comme quoi j'allais dire, apprenez bien vos poésies, mais peut-être pas finalement. Et alors, là tu soulignes, outre le paradoxe du vous et du nous qui peut se résoudre dans la poésie, tu soulignes aussi peut-être une autre de ces antithèses, une autre de ces antinomies, et pour le coup, que particulièrement surprenante, particulièrement déstabilisante, ton narrateur, tu rappelles bien que c'est au moment où tu citeras l'âge, tu dis cette poésie est ma propre religion, tu sais que les soufis étaient nombreux chez nous, ils font partie de notre histoire, tu connais les salafistes et les radicaux. Mais aujourd'hui, dans les pays arabes, on considère les anciens chefs de guerre islamistes comme des exemples, et on abandonne les savants, les poètes, où il y a ensuite quelques noms, dont Averroès, Ibn Khaldoun. Et tu finis en disant « La plupart de ces grands hommes n'étaient pas acceptés dans leur propre pays, et c'est toujours le cas de leurs idées. » Alors on arrive à une espèce de paradoxe fondamental et foncier, une espèce de nœud vraiment gordien et indémêlable. Comment peut-on expliquer cette situation? Comment peut-on expliquer que des penseurs de cette envergure, bénéficiant donc de, on imagine, du rayonnement et de la magnitude que peut avoir une pensée et une beauté esthétique de cette envergure, comment expliquer qu'elles puissent naître dans un pays qui les interdit? C'est la dictature, parce que la dictature et sa complicité avec l'islam politique qui choisit de l'histoire certains exemples de criminels. Saladin, par exemple, on était éduqué sur le discours de Saladin. Et figurez-vous que j'ai trouvé ça même en France, les enfants qui... Et quand Saladin est l'exemple, on devait être comme Saladin, et puis on devait être comme Osama Bin Laden, donc on devait être comme pas mal des assassins durant l'histoire, tandis que dans notre propre histoire aussi, il y a des exemples à suivre, comme tu dis, voilà, comme Averroès, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi la langue arabe était opprimée, parce qu'elle est toujours considérée comme une langue sacrée, intouchable, parce que c'est la langue du Coran. Mais la langue arabe, c'était la langue de la poésie, avant le Coran et avant l'islam. 600 ans avant l'islam, la poésie existait, c'était l'identité arabe, c'était l'identité et c'était la civilisation. Donc la langue arabe est beaucoup plus importante de toutes les religions. Et pourquoi toujours on s'intègre, on était intégré des générations, pendant des générations et des générations, sur les exemples de crimes, de guerres durant l'histoire. Et on a abandonné les philosophes, et on a abandonné la beauté de la langue, et on a abandonné la poésie. On les a remplacés par les tabous et la religion. Et ce qui était étonnant, c'est que j'ai découvert ça dans certaines villes en France, vis-à-vis ceux qui veulent étudier la langue arabe, parce que je connais de donner des cours à l'époque. Et la majorité d'eux, ils voulaient, ce que le narrateur raconte d'ailleurs, ils voulaient apprendre la langue pour arriver à étudier le Coran. Sauf que lui, il est un prof de la langue, mais pas un prof d'une religion. C'est pour ça qu'il refuse. Par exemple, il visite une famille, et une fois qu'il va à la maison, il trouve que la femme est intégrée dans l'islam, etc. Et l'enfant, une fois qu'il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand, il lui dit, je veux être professeur de... l'islam, science islamiste en Arabie Saoudite. C'est un gamin de 8 ans. Donc, ceux qui connaissent ce monde, et d'ailleurs, ça m'est arrivé parce que je fais des ateliers d'écriture dans les Yvelines, et je pose ces questions parfois aux élèves, par rapport à l'avenir, etc. Et il y a certains qui rêvent, qui fantasment d'aller à Dubaï. Dubaï, c'est la base, quoi. Tout le monde a envie d'aller à Dubaï. Peut-être, Mabrouk, t'as trouvé ça aussi. Et ceux qui fantasment d'aller à la Mecque ou en Arabie Saoudite, parce que les pauvres, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais. Ils ne savent pas ce que c'est vivre une semaine en Arabie Saoudite. Quel enfer, quelle oppression, ce n'est pas un pays, c'est une grande prison. Et on mélange toujours la question linguistique avec la question et de la religion et de fantasme d'y aller en Moyen-Orient. Il faut savoir aussi que Dubaï, en fait, c'est un grand fantasme à cause des influenceurs qui sont là-bas, oui. En fait. Hein. Quand tu parlais du soft power, effectivement, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont à Dubaï, et les jeunes disent « je veux aller à Dubaï comme les influenceurs, en fait ». Bah justement, un fantasme sur des bêtises, d'ailleurs, ils voulaient faire du ski, il y a des Ferrari, il y a des tours et des stars à Dubaï. D'accord, tout le clinquant dans ce qui peut avoir d'attrayant ou pas, d'ailleurs. Alors,
Alors quittons un petit peu Dubaï, son soleil, après tout il y a aussi bien du soleil à Laval, et reprenons peut-être cette question de la langue. Tu as évoqué donc, Omar, la façon dont il fallait distinguer, et sans doute peut-être est-ce là aussi la mission de l'écrivain, distinguer la langue dans ses fonctions poétiques et littéraires de la langue qui est celle de la propagande, du prosélytisme religieux. Mais il n'y a pas que l'arabe, il y a aussi une autre langue, et là je pense à toi, Mabrouk Rachedi, qui est la langue chiffrée, la langue qui détient les secrets dans ton livre, c'est le tamazight. Et donc, alors d'abord, peut-être très rapidement, peut-être pourrais-tu nous parler un petit peu de la situation de cette langue. Comment expliquer que dans toute la fratrie que tu décris, le seul à avoir appris cette langue, enfin, il n'y a qu'un frère, donc le narrateur, à avoir appris cette langue. Parce qu'en fait, c'est l'idée que les parents ont pris conscience à un moment que, en France, la famille leur dit cette phrase, il faut que vous soyez meilleur que les Français. Alors qu'à l'école, que vous soyez vraiment très très bon. Et en même temps, c'est une injonction paradoxale qui est être excellent, mais aussi, et c'est ce qui intervient, c'est que là, clairement, ça vient aussi de la famille, ce nous et ce vous qui est posé. Vous êtes français, mais pas tout à fait, et il y a plein d'injonctions paradoxales comme ça qui existent. Il y a aussi, vous serez, parce que le père est ouvrier, il a une haine des chefs, ce qu'il appelle les chefs, hein, tous ceux qui ne sont pas des ouvriers, et il leur dit, mais vous serez un jour des chefs, parce que c'est ce qu'il leur souhaite. Hein. Donc, aller au-devant de ce que je déteste. Hein. Et donc, voilà, c'est avec toutes ces contradictions-là qu'ils grandissent, parce que les parents, la génération d'avant, ils sont algériens, et ce sont des exilés, pour le coup, ils sont partis en France avec ce mythe du retour qui ne se fera jamais. Mais à partir du moment où ils se rendent compte... Il y a un petit retour. Voilà. Il y a un moment, mais c'est là qu'il s'aperçoit vraiment que la famille, le père, lui, il croit encore, mais il croit tellement fort qu'il croit que la famille pense la même chose. Mais il voit, c'est à ce moment-là qu'il s'aperçoit que, et toute la famille le réalise, ils sont français et de façon irréversible. Rien n'est irréversible dans la vie, mais ils sont devenus français. Et donc la langue a été perdue, en fait. C'est que Et alors le fils, hein, le Benjamin, lui essaye de renouer avec sa langue, non pas parce qu'il est tout d'un coup bercé par une nostalgie ou parce qu'il veut renouer avec l'origine, mais par une chose très naturelle, l'amour, en fait. Il est amoureux d'une jeune fille, jeune femme qui est berbère, hein, qui est kabyle comme lui, et pour faire sa déclaration devant sa famille, il doit la faire parce que pour que ça passe mieux, parce que c'est un peu un faillot zélé, il veut la faire dans la langue tamazight, et voilà. Donc c'est aussi ça, c'est quelque chose que j'ai tenu à en faire une histoire d'être humain, quoi. Je ne veux pas faire un roman à thème, voilà, la thématique de l'identité. Non, il y a de l'amour, et c'est par amour qu'il fait ça. Les parents, le père et la mère, la mère a refusé un mariage qui était arrangé pour un mariage d'amour, finalement. Et donc, dans cette identité, il y a les conflits, évidemment. Mais il y a aussi de l'amour, et c'est à la fin, Omar le disait, donc la poésie, etc. Mais à la fin, ce qui sauve, finalement, c'est, même si ça fait un peu plan-plan de dire ça, c'est aussi l'amour. Et donc voilà, il n'y a pas besoin d'être sauvé fondamentalement, mais ce qui unit et ce qui résout tout, voilà, c'est l'amour. Alors, je réalise en parlant que j'ai absolument pas répondu à tes questions précédentes avec le fils, en fait, hein, de Gérard Etienne, et j'ai complètement passé à côté. Alors, si tu as 30 secondes pour l'évoquer. Non, mais 30 secondes, parce que sinon les gens découvriront dans le livre. Voilà. Non, mais parce que c'était juste ce grand écart, en fait, entre le communisme et le Front National que vit Étienne. Et voilà, je veux dire que on peut voir, hein, et on l'a vu avec l'élection récente, hein, que ce sont des passerelles qui peuvent exister encore aujourd'hui. Et on peut voir que dans les discours, même dans les années 80, il y avait des discours, y compris de la gauche, qui liaient
immigration et chômage. Donc c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vient de loin, et la porosité entre les électorats peut exister à travers aussi qu'on pense que ce sont des camps extrêmement éloignés. Oui, effectivement, dans les idées, mais on peut basculer de l'un à l'autre, et on le voit en fait finalement dans le livre, mais aussi dans la vie, quoi. Après, on pourrait continuer sur cette question effectivement passionnante, mais qui nous mènerait sur le terrain de la sociologie. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur ce que tu disais sur la question de l'amour, et plus précisément sur ce qu'on pourrait appeler la dimension sentimentale, sans rien de péjoratif. Elle est présente dans le livre, mais elle n'est pas seulement présente dans l'histoire du narrateur, elle est aussi présente dans les représentations que se font de Paris, les parents, et en particulier la mère. Un des points de départ du livre, en tout cas le point de départ qui mènera cette famille en France, c'est une carte postale que découvre par le plus grand des hasards la mère. Alors, la carte postale, c'est la carte postale dans toute sa splendeur, fidèle à son nom, c'est-à-dire c'est le Paris de la Tour Eiffel avec des photos, des dépliants de fiches, quasiment d'office touristique. On retourne la carte et l'instituteur traduit ce qu'il y a au dos. Et c'est quoi? C'est la carte d'un soldat français qui parle des événements, comme on disait pudiquement, hypocritement à l'époque. Et moi, je me demandais, en tant qu'écrivain, effectivement, souligner cette force motrice qui est la force de l'amour, la force du sentiment, mais aussi être vigilant, montrer que sous la carte postale, il y a la violence, la brutalité. Et cette violence, cette brutalité, elle apparaît à plusieurs reprises dans le livre, et j'allais dire, elle est bien distribuée, parce que il y a, j'en parlais tout à l'heure en commençant, la violence des matraques assermentées de Papon en 61, la violence des colonies. J'en dis pas plus, mais il y a un viol dans le livre qui remonte aux années 50 ou juste avant. Enfin. Mais il y a aussi la violence qui est celle, et tu en parlais tout à l'heure en évoquant ces gens qui veulent devenir ce qu'ils ne sont pas, la violence d'un frère comme Kader qui lui connaît ce qu'on appellerait une forme de réussite sociale, mais une réussite sociale qui est mue par le désir de vengeance, par la violence. Donc je me demandais comment on dose tout ça en tant qu'écrivain. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à mettre d'un côté des forces qui sont des forces positives et de l'autre des forces négatives, pour dire très vite? Oui, tu l'as bien dit, en fait, cette carte postale en fait, porte en elle-même l'amour et aussi beaucoup de choses de très négatives et qui sont liées à des événements tragiques. Donc c'est là où... Oui, pour faire le grand lien avec le festival du premier roman, moi je suis venu ici en 2007 pour mon premier roman qui est Le poids d'une âme. Et en exergue, j'avais mis un conte de Lao Tzu pour moi qui dit beaucoup en fait, et qui a quelque chose qui m'a marqué. Et c'est marrant parce que pour la petite histoire, ce conte, un de mes frères l'avait lu, il savait pas que je l'avais lu, il m'a dit: mais Mabrouk, en fait, finalement, t'as copié sur moi. Mais j'ai dit non, pas du tout. Et à partir de deux sources, on était arrivé en fait à une histoire, et ce conte, c'est un paysan qui est veuf, hein, et un de ses chevaux part comme ça, il s'enfuit, et tous ses voisins lui disent: ah bah pas de chance, t'as perdu un cheval. Et lui dit: je ne sais pas, est-ce que c'est un mal ou est-ce que c'est un bien, l'avenir nous le dira, etc., etc. Alors les gens disent: mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi, etc. Et effectivement, ce cheval revient avec trois chevaux sauvages magnifiques, extraordinaires, et là les gens disent: ah mais t'avais raison, finalement là, t'as la chance, etc. Et il reste toujours sur son compte à soi: est-ce un bien, est-ce un mal, l'avenir nous le dira, hein, quand même, il est pontifiant. Et là, en montant sur un des chevaux sauvage, le fils se casse la jambe. Et là, les paysans lui disent, encore une fois, parce qu'ils n'apprennent rien, les paysans, ils disent à ses voisins: ah, mais t'as pas de chance, etc., etc. Et l'autre lui dit encore: est-ce un bien, est-ce un mal? Et après, il y a une guerre et conscription, et donc tous les enfants doivent faire la guerre, et là, il échappe à la guerre, le fils, et encore une fois, est-ce un bien, est-ce un mal? Donc, et moi je suis fasciné par ces événements, ces choses qui peuvent en
fait comporte en elle-même une chose qui peut être éventuellement positive, qu'on peut percevoir comme positive et qui finalement finit par être négative ou etc etc. En fait, on ne sait pas dire en fait exactement quelles seront toutes les répercussions d'une chose et rien n'est définitif. C'est comme les identités, rien n'est définitif. Et c'est pour ça que cette carte postale et même sur le personnage de Kader, etc. C'est parce que sa revanche, il est porté par un sentiment de revanche parce qu'un jour on a saisi, mais déjà il l'a porté en lui depuis le début. On le voit que dans son caractère il y est, mais il y a un facteur déclencheur. C'est la veille de la diffusion du clip de Thriller de Michael Jackson en 83. On saisit la télé, le poste de télé, donc il pourra pas avoir le clip alors que tout le quartier est complètement dingue, etc. Ils veulent le voir, et à partir de là, il se crée une blessure. Il va essayer de compenser tout ça toute sa vie, et tout ce qu'il obtiendra, il aura une réussite sociale mais spectaculaire, n'arrivera pas à étancher cette fois de revanche, même si l'amour quelque part aussi l'adoucisse, même si voilà, le sauve pas. Donc voilà, moi je suis fasciné par ce yin et yang qui peut arriver, voilà, ce bien, ce mal, ces destins comme ça en perpétuelle évolution, ces choses qui sont ce fil tendu sur lequel on repose tous finalement, et ce destin qui, voilà, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, qui fait que à partir d'un même événement, plein de choses peuvent jaillir, quoi. Alors justement, cette indécision permanente, ce balancement, cette indécidabilité plutôt, elle n'est pas non plus synonyme d'un relativisme absolu. Et là, je pense à toi, Marie-Youssef Souleyman, je pense, et j'en reviens à ce que je disais au tout début, et ce sera sans doute ma dernière question, j'en reviens à ce moment où le narrateur assiste à une soirée, plutôt des jeunes gens qui parlent de la politique, et puis c'est le désabusement, comme on a beaucoup pu l'entendre, j'en ai marre de voter, ça sert à rien, etc. Et le narrateur donc prend acte de ces critiques de la démocratie, et le paragraphe suivant, ou deux paragraphes après, c'est une description du régime syrien, c'est une description du trucage, et le mot est faible, des élections, avec des scores à faire pâlir des dirigeants soviétiques. Donc il y a quand même cette idée d'un malgré tout ce que tu vois, malgré tout ce que ton personnage a vu dans le modèle français, malgré tout ce que le livre de Mabrouk Rachidi peut rappeler d'une histoire qui était une histoire plus que sanglante à l'endroit de l'Algérie, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de conceptions, on parlerait de valeurs aujourd'hui, c'est très à la mode comme terme, mais un certain nombre de conceptions quand même sont à privilégier ou à défendre, quel que soit leur défaut ou leur travers. Oui, tout à fait, parce que quand on vient de l'étranger, quand on vit ailleurs, on sait à quel point on vit bien en France. Vous savez, quand je suis arrivé en France en 2012, comme je parlais pas la langue française, les premiers mots que j'ai appris de cette langue, c'était à Paris, c'était putain, fiché venimeux. Où tout le monde répétait ces mots, et je ne savais pas ce que ça veut dire, j'avoue. Donc je les ai répétés comme eux. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir que râler, ça fait partie essentielle de notre culture en France. Et c'est marrant parce que là, je viens d'obtenir la nationalité française il y a juste 5 mois. Et je suis contaminé par ça, j'ai commencé à râler aussi. Et je fais en fait attention, tu vois, surtout à Paris. Et ça, c'est lié aussi avec ces soirées où je fréquente des Français et des Françaises de ma génération. Cette atmosphère de désespoir. C'est marrant parce que c'était la première fois de ma vie où j'ai voté pour les élections présidentielles. Et j'avais envie de... Pour moi, c'était la fête quand même. Vous savez, en Syrie, on a perdu plus que 500 000 personnes. On donnait leur vie pour avoir la liberté, la démocratie de leur pays. Et ici, on râle en disant que non, les votes, ça ne veut dire rien. On n'est pas content de notre démocratie. Absolument, on peut dire qu'on est en démocratie qui souffre, mais c'est hors de question de dire qu'on est en dictature. Et ça, ce qui m'est arrivé ces dernières années, parce que j'ai fréquenté pas mal des gilets jaunes et des... ce qu'ils appellent plus tard, qui disent qu'on est en dictature sanitaire, dictature de passe sanitaire. Franchement, c'est inacceptable, parce qu'une fois qu'ils savaient que je venais de la Syrie, ils me disaient, nous aussi, on vit en dictature, mais c'est une dictature masquée, on est manipulé par les capitalistes, et Macron, c'est comme Bachar al-Assad, mais ça se voit pas. Mais ça va pas, franchement, c'est... Dictature, si on dit on est en dictature, on boit une bière en terrasse, on risque de ne pas rentrer chez soi,
plus soi-même. C'est ça la dictature. Ici, on est en démocratie. Et d'ailleurs, pourquoi ce discours est dangereux? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il donne un sort de légitimité à un criminel de guerre qui s'appelle Bachar al-Assad. On le fait qu'on on le met dans le même sac avec quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir. Et de plus, on ne peut pas renverser une dictature souvent par des manières pacifiques. On a besoin parfois de prendre des armes. Donc, est-ce que ces gens appellent à prendre des armes en France? C'est une question légitime à proposer. Donc, dans ce type de soirée, d'ailleurs, j'avais beaucoup de débats avant avec des amis avant les élections. Soit ceux qui ne veulent pas voter parce qu'ils sont persuadés que ça ne change rien, ou ceux qui vont voter, ils le font juste par rapport des principes. Donc, ils sont persuadés que ces votes, il n'y a plus de rôle de voter en France. Et ce qui était aussi, c'était un peu choquant pour moi, ceux qui ont, après le premier tour, qui ont commencé à dire ni Macron ni Le Pen à faire des barrages contre les deux. C'était un discours complètement absurde. Il y avait des étudiants de Sciences Po à Paris qui ont roulé et cassé pour faire barrage contre les deux. Mais un des deux va passer. Et il faut en profiter de ce qu'il nous reste de cette démocratie pour améliorer notre pays. J'ai dit notre pays comme nouveau français, disons. Et on a toujours cette chance. Donc, mais en revenant aussi à la question, pourquoi on est souvent ou parfois mal compris? Parce qu'avec ces gens, on partage tout. On partage l'avenir de ce pays, je parle la langue française. Disons, je pense et je rêve en français, mais je pleure en arabe, bien sûr, parce que c'est ma langue maternelle. Et on fréquente les mêmes quartiers, on boit les mêmes verres, on parle des mêmes choses. Mais on a un passé différent, c'est-à-dire je n'étais pas éduqué par la même manière que... quand on vit une guerre, on a l'impression qu'on est sorti de cette guerre, mais la guerre ne sort jamais de nous. Et on est ni au moins traumatisé par certaines scènes. Comment je peux dire par exemple que nous on avait vécu ça, comment je pouvais exprimer ça et les autres vont comprendre, c'est impossible. Et moi non plus, je ne peux pas écrire, je ne peux pas comprendre leur vie normale. De passer. C'est ça ce qui crée un sort de distance ou de mal compris. Mais ça, on ne peut pas le changer, mais on peut vivre avec. Et encore une fois, ça pourrait être un sort de richesse, parce que nous, je crois, quand je dis nous, pour les exilés ou les condamnés à l'exil, on a beaucoup vécu. On a vécu vraiment plusieurs vies. Et malgré la douleur et la souffrance, il reste un sort d'espoir dans ce passé. Je me souviens que quand j'étais petit, les seules fois où on voyait ma mère, parce que mes parents ont divorcé depuis quand j'avais 4 ans, c'était pendant les vacances. Elle nous amenait à la Méditerranée, à la mer, et il y avait une source pure qui sort de l'eau celle de la mer. C'est-à-dire qu'on pouvait boire de l'eau pure depuis dans la mer. Ça, je fais toujours cette image pour trouver ou creuser dans la mémoire en cherchant des beaux souvenirs, les beaux paysages, les scènes douces, les histoires d'amour. Les meilleures histoires d'amour que j'ai vécues, c'était pendant la guerre en Syrie. Parce que là, on était tellement existentialistes, on ne savait pas si on va vivre encore un jour ou deux jours. Et donc, on s'amusait à fond, quoi, comme des fous. Et donc, il y a toujours, malgré la violence et les traumatismes, il y a toujours une lumière, quelque part, il faut la chercher. Et je pense qu'en France, c'est facile à trouver cette lumière. Il faut juste la chercher. Et lumière qui n'est pas seulement peut-être la lumière de l'espoir, mais qui aussi est parallèlement la lumière au sens peut-être plus prosaïque d'éclaircissement que peut apporter la littérature. Tu parlais d'incompréhension tout à l'heure, de distance. Un des moyens peut-être, un des moyens même certainement de réduire cette distance, c'est bien la littérature. Et puis, j'ai cité tout à l'heure, je le recite maintenant, mais Proust parlait bien des mondes et des points de vue différents que la littérature permet d'offrir. Et en tout cas, il me semble que c'est ce que vos deux livres parviennent exemplairement à faire, c'est-à-dire à nous donner des points de vue qui ne sont pas nécessairement les nôtres, en tout cas qui ne sont pas le mien, qui ne parlent ni tamazique et qui ne suis pas allé à Damas. Oui, justement. Mais d'ailleurs, oui. Voilà, bah écoutez, on finira là, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je vous invite à prolonger cette conversation par la lecture justement des livres donc de Omar Youssef Souleiman et de Mabrouk Rachedi. Merci. Merci à vous.